Le Roi de cœur est un film qui a une importance très particulière dans la filmographie de Philippe. Et lorsque Philippe est mort il y a 13 ans et que ses enfants et moi-même avons décidé de reprendre en direct l'exploitation des films et d'essayer de faire que son œuvre soit connue au-delà de L'Homme de Rio ou du Magnifique, qui sont deux films formidables, mais Philippe en a fait 35 et il y en avait d'autres. On s'est très vite rendu compte que Le Roi de cœur était un film complètement oublié et que la seule manière de lui rendre vie, c'était de prendre le risque de le racheter et de nous-mêmes y croire plus que les autres encore et de le restaurer et de le faire connaître. C'est ce qu'on essaye de faire maintenant.